Il y a eu un déclic le jour où j'ai mangé dans un restaurant gastronomique de la région de la viande d'un bœuf fini au vin et avec un rendu qui était vraiment exceptionnel. Du coup, après quelques recherches, on s'est aperçu qu'il y avait aussi le bœuf de Kobe qui existait, le bœuf de Kobe nourri à la bière, massé au saké. On avait un produit exceptionnel et on s'est dit... Après quelques mois de réflexion, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure puisqu'on produit du cidre, on a des animaux d'une race exceptionnelle et pourquoi pas associer les deux pour arriver sur un produit peut-être un jour concurrence, ça paraît ambitieux, mais tout du moins un produit d'un rendu exceptionnel. D'aller plus loin selon la formule un peu Kobe, c'était d'intégrer cette quantité d'alcool qui aujourd'hui représente progressivement 15 litres par animal et par jour. Progressivement parce qu'on ne part pas avec 15 litres, mais on démarre petit à petit puisque pour l'animal c'est quelque chose qui est quand même nouveau. Et puis au bout de quelques jours, il s'adapte et il finit très rapidement par apprécier le cidre. La musique, il y a un côté un peu ludique effectivement de dire que la musique adoucit les mœurs et attendrit la viande. Je ne sais pas si ça va jusque là, mais en tous les cas ça ne peut pas faire de mal. Donc un peu de musique classique en plus, ça permet de travailler dans un environnement pour nous qui est quand même pas mal. La brosse de massage, c'est clair que le phénomène de massage permet une meilleure circulation du sang, donc joue aussi sur la qualité de la viande. On a un héritage important avec cette race normande. C'est des animaux qui sont rustiques, c'est des animaux qui sont moins facilement malades, je pense à des problèmes respiratoires ou des choses comme ça. C'est une race qui donne une viande excellente, même sans aller jusqu'à leur donner du cidre. On a à la base une viande qui est extraordinaire. On essaye ensemble avec Samuel Journet, avec les défis ruraux, avec le département, de relancer une démarche autour d'une appellation d'origine contrôlée, et essayer de monter une AOC autour de ce produit qui mérite d'être connu nationalement et internationalement.